Cocktail Mag, votre émission qui va à la rencontre des professionnels de l'hôtellerie et de la gastronomie. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la magnifique destination d'Avignon. Véritable joyau du Vaucluse, Avignon attire chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier. Avec son patrimoine historique et culturel exceptionnel, c'est une destination prisée des amateurs d'art, d'histoire et surtout de bonne cuisine. Dans ce nouvel épisode, Sonia vous emmène à la rencontre d'un établissement d'exception situé à deux pas du Palais des Papes, la Mirande. Elle a eu le plaisir de s'entretenir avec le directeur de l'établissement, Francis Lacoste, qui nous fait découvrir les secrets de ce lieu unique. Bonjour Francis. Bonjour Sonia. Vous êtes le directeur de cet hôtel magnifique La Mirande, un hôtel 5 étoiles situé en plein cœur de la ville d'Avignon. Une belle adresse que l'on va découvrir ensemble et vous allez justement me parler de l'emplacement de ce lieu. Oui, absolument. Donc nous sommes en plein cœur de la Provence, en plein cœur de la ville d'Avignon et à deux pas du Palais des Papes. Donc c'est notre voisin premier, on peut le toucher presque de votre chambre, vous pouvez toucher la façade du Palais des Papes, puisque voilà, historiquement il y a un lien très étroit avec notre maison, puisque au XIVe siècle, quand les papes sont partis d'Italie pour s'installer à Avignon, la Mirande a été transformée en livrée cardinaliste, donc il y avait un cardinal qui habitait ici, et donc il fallait qu'il y ait un lien de proximité très étroit avec le palais des papes. Quand les papes sont repartis en Italie, ça a été racheté, le lieu a été racheté par différentes familles, jusqu'au XXe siècle, le siècle dernier, où la famille Stein, une famille d'origine allemande, a racheté le lieu pour le transformer et en faire ce que... C'est actuellement un hôtel de tourisme de luxe. Voilà, donc nous avons ouvert en juin 1990. On va fêter la 33e année d'exploitation de la Mirande. De la Mirande. Justement, vous parliez du fait que ce soit une famille qui est encore à la tête de cet établissement, ce qui donne vraiment un aspect chaleureux, une maison de famille, comme si on venait en vacances chez des gens très proches et dans un lieu incroyable. C'est exactement ça. Donc ils ont rénové, restauré le lieu comme si ils allaient y habiter, en fait. Donc toutes les chambres sont différentes, il y a du tissu tendu au mur dans l'esprit du XVIIIe siècle, puisque c'est ce siècle-là des Lumières qu'ils ont voulu remettre en avant, parce qu'ils aiment beaucoup ce siècle-là, et puis on commence à voyager dans ce siècle. Donc il y a aussi un écho avec notre profession d'héberger des clients qui passent. Donc, voilà, donc ce sont des esthètes, ils n'ont pas de... leur métier à l'origine n'est pas du tout l'hôtellerie-restauration. Et tant mieux, parce qu'ils ont pu faire cet hôtel un bijou. Parce que peut-être que s'ils étaient hôteliers, peut-être qu'ils l'auraient fait différemment, un peu plus standard, je vais dire, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais un standard de luxe. Plus personnalisé, voilà, on va dire. Voilà, donc, eux, ils l'ont vraiment personnalisé à outrance, à leur manière. Et donc, n'importe où nos yeux se posent, je trouve que c'est joli à regarder, il n'y a pas de faute de goût, c'est très harmonieux. Et justement, quelle offre d'hébergement proposez-vous à vos hôtes? Alors nous avons 26 chambres au total qui sont réparties en trois catégories. La chambre de luxe, la grande chambre de luxe dans laquelle nous celle-ci. Sommes. Et puis nous avons également une suite. Donc une belle offre de chambres, mais toujours dans un esprit intimiste puisqu'on n'a que 26 chambres. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que vous proposez également une expérience culinaire qui est une raison principale aussi pour venir séjourner ici à la Mirande. Absolument. Donc on a une expérience plurielle. Donc on a des expériences culinaires. Donc on a tout d'abord
la grande expérience gastronomique avec le restaurant étoilé, donc, où Florent Pietravel, notre chef, fait des merveilles. Il est avec nous depuis 7 ans maintenant. Donc au fil des années, il a gagné une première étoile rouge, ensuite il a gagné l'étoile verte pour la gastronomie durable. Il a également créé une carte signature pour le bistrot, la salle à manger. Donc à la saison moins douce, nous servons dans ce lieu qui est comme une salle à manger, comme si on vous invitait à la maison. Et ensuite, là, à la belle saison, nous servons dans les terrasses, puisque nous avons aussi jardin et terrasse pour les beaux jours. Nous avons également une offre dans l'ancienne cuisine, donc dans la partie médiévale, dans un étage en dessous de là où nous sommes. Et donc là, nous avons une cuisine qui a été restaurée. Il y a un four à bois qui date du 19e siècle, 1860 précisément. Et donc là, on dispense deux activités, table haute et cours de cuisine. Table haute, le chef invité cuisine devant les convives, un menu, trois plats autour du marché. Et les cours de cuisine, les participants mettent le tablier et cuisinent le menu complet, de l'épluchage jusqu'au dressage, et qu'ils dégustent ensuite tous ensemble avec le chef. Une offre de cours de cuisine que vous proposez tout au long de l'année ? Absolument, absolument. On l'a mis en place il y a assez longtemps, en 1994, et ça ne s'est jamais arrêté. Et l'intérêt de ces cours de cuisine est que nous invitons différents chefs de la région. Ce n'est pas uniquement le chef de la Mirande, c'est différents chefs de la région. Donc il y a une offre encore plus attractive que ce qu'elle pourrait, ce qu'elle pourrait être juste avec un chef unique. Et nous avons également un salon de thé qui est ouvert toute l'année, de 15h à 18h, avec des pâtisseries et pâtisseries maison, une sélection de thé assez grande, puisque la famille Stein, donc les propriétaires, sont amateurs eux-mêmes de thé. Et donc l'art du thé à la Mirande, on le propose toutes les après-midi de 15h à 18h. Donc une belle offre hôtelière en plein cœur d'Avignon, avec une expérience hôtelière et gastronomique. Donc on n'a plus qu'à conseiller aux personnes de venir séjourner ici. En tout cas, moi, je vais y séjourner. Francis, je vous remercie. Merci. Pour cet entretien. Ce fut un plaisir. Et on se dit à très vite. Et plus qu'à vous souhaiter un excellent séjour parmi nous. Voilà, on est à votre disposition pour le rendre le plus agréable possible. Merci. Merci, Sonia. Reconnu pour sa cuisine créative et raffinée, Florent Pietravel, chef étoilé Michelin, officie dans les cuisines de la Mirande. C'est l'heure d'aller à sa rencontre. Portrait de chef, c'est parti. Florent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de La Mirande, un restaurant étoilé ici en Avignon. C'est bien ça ? Exactement. On a la chance d'avoir eu l'étoile en 2019, étoile verte en 2020. Et on a depuis on écrit notre aventure gastronomique. Une belle aventure gastronomique, puisqu'en effet, vous proposez une offre très variée d'expériences culinaires, ce qui est assez intéressant, ce qui vous permet, je pense, d'avoir un public qui revient pour vivre différentes expériences que vous proposez. Voilà, on a voulu proposer trois offres différentes, vraiment la table avec peu de couverts, quelque chose d'assez intimiste, avec une belle réflexion. On garde les mêmes produits et après on fait la salle à manger avec une cuisine un petit peu plus décomplexée, mais de qualité. Et on terminera après avec en bas les cours de cuisine et la table d'hôte, avec une table ouverte qui donne sur le fourneau du 18e au charbon. Et voilà, on va cuisiner comme ça devant les gens avec l'odeur de la braise, et le goût, les gens qui partagent, un peu festif. Voilà, ça fait vraiment trois choses différentes dans le même hôtel. Plus le salon de thé, puisque ce que j'ai pu noter, c'est que vous avez vraiment une cuisine qui permet de se sentir à l'aise ici, avec les différentes prestations que vous proposez, mais justement, je définirais votre cuisine comme une cuisine classique, mais très moderne à la fois. Mais vous, comment définissez-vous votre cuisine ? C'est une cuisine vivante, une cuisine de mouvement, elle est tout le temps en évolution, tout le temps en réflexion. On est très axé, moi, originaire de Montpellier, très axé sur la mer, sur la Méditerranée, sans faire exprès, je me disais encore ça la semaine dernière, j'y reviens toujours, je suis toujours... voilà, il y a toujours une note de iode, une note de salin qui est importante pour moi. Et après, voilà, c'est le temps, c'est l'humeur, c'est vraiment un menu assez vivant et qui évolue au fil des jours. Et des saisons, puisque vous êtes très axé sur justement les produits de saison, le locavore, faire travailler les producteurs qui sont autour
de la Mirande. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel vous œuvrez tout au long de l'année. Et justement, vous avez eu de nombreuses distinctions, mais vous êtes un chef très engagé. Vous avez eu des macarons, étoiles vertes, notamment Guide Michelin, des écotables. Dites-nous en plus sur tout ce que vous faites par rapport à l'écologie. Après, c'est une philosophie. Je pense que voilà, c'est pas... Enfin, les prix et tout ça, c'est une bonne chose, mais après, on fait les choses par conviction. Mais voilà, nous, on a toujours vu notre terroir comme un grand terrain de jeu pour pouvoir travailler. On a la chance d'avoir des petits producteurs qui font des travaux incroyables. On a voulu les mettre en avant sur notre table. Et voilà, quoi, c'est des gens qui m'accompagnent depuis 7 ans, avec qui on grandit. On travaille sur les alimentations, sur les mises à mort, sur la façon de pêcher, la façon de cultiver, sur les permacultures, sur qui anime quoi et qu'est-ce qu'ils vivent ensemble. Sur le vin, sur les petits producteurs locaux, sur la façon dont on va le mettre aussi en avant sur la table avec les équipes de service, de sommellerie. Et après, il y a tout aussi les backstage avec comment on utilise nos détritus, sont part en compost. On a enlevé les plastiques de la cuisine. On utilise des produits pour les sols qui abîment pas la terre. On essaye de produire le moins de déchets quand même si on en fait... Et après, ça part en compost. Ce compost-là, on a aussi développé une cave à champignons dans les sous-sols de l'hôtel. Avec mar de café, exactement, c'est ça ? Exactement, le mar de café, c'est le seul produit pas local qui sera dans la cuisine. Mais on voulait quand même l'utiliser de façon intelligente. Et ce mar de café, c'est un meilleur nutriment pour le champignon. Et de cette idée-là, on en a fait une cave. On a développé cette cave à champignons depuis 4 ans. Sur 4 ans, il y a 2 ans de projet pour trouver les bonnes recettes, le bon procédé. Donc c'est une belle satisfaction. Bravo, et je crois même qu'il y a des herbes sur le toit, juste en dessous de la Cité des Papes. Des herbes bénies, c'est bien ça. Exactement, on a mis un petit rooftop d'herbes comme ça pour pouvoir, pendant le service, juste avant le service, récupérer un peu quelques herbes pour donner voilà, les petites touches de signature aromatique qu'on aime bien, qui ramènent un côté végétal mais différent. C'est important, et puis on a un joli soleil, ça permet que les herbes se conservent bien et se cultivent. Florent, merci beaucoup pour votre accueil. J'ai pu déjà tester une partie de votre cuisine. Je suis déjà conquise, la suite arrive bientôt et on se dit à très vite. Merci beaucoup. Merci. Le chef Florent prend plaisir à mettre en valeur les produits locaux et de saison. Avec passion et talent, il propose un véritable voyage d'essence. Découvrons l'expérience gastronomique de Sonia. Les belles adresses vous emmènent à la Mirande découvrir la cuisine du chef Florent Pietraval, un macaron au guide Michelin. C'est parti pour une fine tranche de côte de bœuf maturée avec au-dessus du caviar cristal et un filet de bœuf qui a été mariné, fumé, séché ou encore un caviar affiné avec du gras de bœuf déposé sur un garum de bœuf et yaourt de Réfort. Viennent ensuite les petits pois de Fabien Dumont accompagnés de lisettes et de jeunes pousses. C'est la période idéale pour goûter les asperges vertes accompagnées d'une crème de poutarde qui sont mille d'herbes et son riz de veau glacé avec du pain au levain. On continue maintenant avec une soupe à base de carapace d'araignée de mer et son huile de piment. Suivi de ventrèche de thon et sa salade romaine, vinaigre de rhubarbe, source à base de collagène de poisson. Dégustons maintenant la volaille accompagnée de son jus de viande ainsi que son jus à base de volaille et de foie gras. Côté dessert, l'amandier et le conassier sont à l'honneur, ainsi que la fraise sous ses différentes formes. Un régal, je vous dis à très vite pour de nouvelles belles adresses. Pour tenter de gagner des cadeaux incroyables, rendez-vous sur la page Instagram de notre partenaire Sélection.tv. Des expériences uniques à vivre autour de la gastronomie, de l'hôtellerie, en couple, en famille ou entre amis. Bonne chance et à bientôt. La Mirande est un hôtel et restaurant gastronomique qui offre une expérience unique à ses visiteurs. Situé au cœur d'Avignon, à 2 pas du Palais des Papes, cet établissement propose des chambres élégantes et raffinées, ainsi qu'une cuisine d'exception signée par le chef étoilé Michelin, Florent Pietraval. Cette émission spéciale vous a donné envie de découvrir cette destination exceptionnelle, le temps d'un séjour, d'un week-end ou d'une expérience inoubliable. À bientôt pour un nouvel épisode de Food Hotel Mag pour découvrir et vivre de belles surprises culinaires et hôtelières.